Salut YouTube, on enchaîne. Alors j'avais dit le troisième épisode, plus cool, plus petit, ok. Fin de stream à mon avis. On va viser l'épisode d'une demi-heure en fonction de ce qui se passe bien sûr. On a fini deux petites quêtes dans la ville, Héliodore, qu'on venait de découvrir, c'est cool. Oh! Est-ce que c'est le matin qui se lève là? C'est radical, hein. C'est parfait ça, pour un début d'épisode, magnifique. Parce que la nuit et la journée, il se passe pas la même chose dans la ville, hein. Ici, on est vraiment dans le quartier très riche là où on est là. Ah, c'est des belles et beaux manoirs. Il y en a que 4 d'ailleurs. Mais ce qu'on va faire, je me demande. Enfin, mais ce jeu est trop beau. C'est presque dommage qu'on puisse pas les voir de plus près. Je veux dire, ici, tu vois, la caméra elle est loin quoi. On serait dans Resident Evil, la caméra serait plus proche. Est-ce que je peux. Attends, vraie question. Stop, stop. Est-ce que je peux changer la caméra et la rapprocher? Ça, c'est une vraie question, ça. Contrôle de la caméra. Automatique, c'est quoi? Non, mouvement. Hein. Bon, ah ben, apparemment, je ne peux pas. Ça aurait été bien que ce soit plus zoomé sur l'arrière de mon personnage. C'est comme ça, là, tu vois? Voilà, comme ça, là. Le problème, c'est que là, c'est parce qu'il y a le mur. Parce que regardez, franchement. Merde, je suis trop près. Regardez comme c'est beau! Non, et là il m'a dit plein de conneries. Juste c'est trop beau en fait. Regardez les vêtements, les détails. Franchement. Franchement, je trouve ça incroyable. Ça devrait avoir plus de succès. Ça a du succès, hein, mais pas trop en Europe, hein, ce genre de jeu, étonnamment. Il n'y a qu'à voir, hein, aujourd'hui sur le stream, hein, bien sûr. J'ai un vague souvenir, je me demande. Je crois qu'ils vont pas me laisser passer les gardes, mais. Mais j'ai un doute. J'ai envie d'essayer et en même temps, je me dis. J'ai pas fini d'explorer, quoi. Quel gâchis. Qu'est-ce qu'il y a? Ce jeune voleur s'est introduit dans le château à la recherche de trésors. Le voilà sur les verrous, dans le donjon. Quel gâchis. Il avait toute la vie devant lui, il l'a fichu par terre. Ok, lui, il parle d'un voleur là. Eh ben. Je crois que c'est le futur personnage qui va nous rejoindre. On va voir. Je crois que j'ai. Est-ce que je vais déjà là? C'est la suite du jeu par là, mais. Ah, j'ai un doute. Je crois que je vais. On va d'abord. Je voudrais voir les maisons ici. Les 4 manoirs là. La ville, on a exploré. Mais les manoirs ici, non. Parce que je me rappelle qu'il y a de l'histoire ici. Je me rappelle. Je me rappelle. Regardez ces maisons de riches ici là. Regardez comme c'est beau par contre. Attendez. Hop là. C'est trop. Merde. Mais qu'est-ce que je fais? La caméra! C'est juste trop bien fait. Bon, il n'y a pas d'effet de poussière, hein. Elle balaye le vent, là, mais. C'est compris. Regardez ces vêtements. Oh, je suis désolé. Je crois que je vais bugger à chaque fois sur chaque personnage. Héliodore est le royaume le plus puissant au monde. Ah, tu sais. Et c'est le cas depuis la chute. Oh, il y a un coffre derrière. Depuis la chute tragique de Fort Drassil. Fort Drassil, c'était l'ancien château, l'ancien empire. Au début du jeu, vous savez, il y a une cinématique et on voit le château se faire attaquer. Moi, je suis bébé, tout ça. Et bah, c'était Fort Drassil, il me semble. 100 pièces d'or. Ah bah, c'est gratuit ça. Allez dans la maison de riche, hein. Vous aurez de l'argent, les gars. C'est ici de technique en fait. Ah. Ah. Et si je peux. Ah. Ah, d'accord. Donc il y a R en fait, il y a juste la salle principale. D'accord. Bon bah écoutez. Allons explorer la prochaine. Ah oui, je me rappelle. Attendez, on la garde en dernier celle-là. Celle-là on la garde en dernier. D'accord. On va explorer les deux autres là-bas. C'est qu'il y a des gens ici. Il a l'air pensif lui. Heureusement que ça se rapproche quand on parle. Hein. Je pense avoir rencontré l'amour de ma vie. Comment lui dire, si je choisis le mauvais moment, je risque de tout gâcher. C'est vrai, Dédra? Moi, j'ai pas fait grand-chose, mais je suis content. Je suis content que c'est juste me parler un petit peu, discuter avec moi, ça t'a fait du bien, ça me fait plaisir. Il faut vraiment jamais hésiter. Quand on n'est pas bien, le dire à quelqu'un, ça peut déjà aider. Enfin, c'est moi qui dis ça, alors que moi, quand je suis triste, j'ai du mal à le dire. Moins qu'avant. Moins qu'avant, mais j'ai toujours eu du mal à le dire quand j'étais pas bien.
Alors là, hier, j'ai passé une très mauvaise journée, j'étais vraiment pas bien et je l'ai dit, et ça m'a fait du bien. Donc, Dédra, j'espère que ça ira mieux. Antidépresseur. Oh, ça fait plaisir, Dédra, c'est trop gentil de ta part. Mais c'est à ça que ça sert, hein. C'est à ça que ça sert, et c'est pour ça que j'aime bien qu'on parle, qu'on me parle, parce qu'il faut pas hésiter. Oh, en fait, non. Il faut pas hésiter à me parler, parce que c'est ça le stream, en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de barrière, on peut discuter et voilà. Bah, je suis content, je suis rassuré. Je suis rassuré, Dédra. Mon petit Dédra. Ah. Bon, il n'y a pas grand-chose dans cette baraque, hein. Et en plus, avec ces jeux-là, Dédra, avec ce jeu-là, les petites musiques en fond, c'est... Je sais pas, je trouve qu'elles sont... Elles sont uniques, les musiques de ce jeu, et ça peut faire du bien. D'une certaine manière. C'est peut-être bête à dire aussi, ça, mais... Ah, trop bien. Recherche de Shiny, GG. Force à toi. Je t'envoie de la force. Moi, j'ai du mal, hein, pour les Shiny, ça me saoule très vite. C'est pas mon style de truc, tu vois. Après, attention, il y a plein d'autres jeux où je peux être très patient. Hein. Mais les Shiny, moi, j'ai du mal. Le roi Arthur, mon modo, lui, il kiffe aussi. Ah ouais, elles sont trop bien. En plus, je peux... Ah, je peux pas entrer dans celle-là. Et en plus, c'est les mêmes musiques que dans les anciens jeux, quoi. Dans tous les jeux de Dragon Quest, c'est les mêmes. Bon, il y a des nouvelles aussi, mais... Parfois des légers remix, mais c'est quand même globalement les mêmes. Je peux aller dans l'eau. Cool. T'as déjà les Shiny ou pas? En vrai. Attends, elle, on va l'observer. Oh, s'il vous plaît, ce jeu! Vous voyez les graphismes simples? Des beaux effets de lumière. Des... Comment il avait appelé ça, Résor? Des shaders, shaders, je sais plus quoi. Regardez ce que ça donne. C'est la même robe que l'autre, hein. Je sais pas, moi ça m'impressionne. Ça m'impressionne, c'est juste génial. C'est juste trop beau, en fait. Stop. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vois cette maison UP là-bas? Eh bien, elle appartient à un étrange fortuné. Un étranger fortuné. Quoique un peu vulgaire. Il est arrivé un beau jour à acheter le terrain. Il a fait construire le bâtiment. Tu parles d'un Matuvu. D'accord. Dans mes souvenirs, on le connaît, ce mec-là. On va aller lui parler. En espérant qu'il soit là. Ça se trouve, il n'est pas là. Quelle beauté! Un Lanceaurien et un garde-voir. Lanceaurien? Je vois pas du tout c'est quoi comme un Pokémon. Lanceaurien. Je suis devenu un noob, un Pokémon, alors qu'avant j'étais un boss. Ça me tue, ça me détruit, ça, d'ailleurs. Ah, wow. Oh, je me suis spoilé. C'est pas grave. Oh, il est trop stylé, parce que j'ai un fantôme dans ma team. Oh, il est trop stylé, et en shiny, il est stylé aussi. Je me suis spoilé sa forme. Parce que je savais pas à quoi il ressemblait, ça. Ah, ben maintenant que je sais, mais c'est pas grave, il est... Eh, il est trop bien. Heureusement qu'il est dans ma team. Oh, il est trop stylé. Je trouve que les nouveaux Pokémon de la version épée bouclier sont vraiment bien. Ils sont bien foutus, je trouve. Un petit mot est fixé sous la porte. Batacha déchiffre ce qui est écrit. Propriétaire actuellement indisposé. De retour bientôt. Avec des fautes d'orthographe de ouf. Hein. D'accord, donc c'est pas maintenant qu'on pourrait y aller. Oh, il y a un accès au jardin. Bah écoutez, on va... Je sais pas, on va aller au château après. Hein. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille jusqu'au bout là-bas? Peut-être qu'il y a du loot. Il y a un coffre. Oh, je peux pas y accéder. Comment j'y accède? Il y a un coffre là. Oh là là, et il y a lui qui me nargue là. Lui là. Tu veux le coffre? Je l'ai là le coffre. Tu le veux? Attends, sérieusement. Parce que là, il y a un buisson que je pourrais pas passer à travers, c'est sûr. Ou alors j'essaye? On pourrait essayer. Oh, attends, je vais me rappeler de trucs là. Ah non, je peux pas aller. Regardez, on peut aller sur le toit là, il y a une corde. Et sur le toit là au-dessus, il y a peut-être un coffre ou quelque chose. Ah, c'est par là! Oh, trop bien. Je suis trop balèze en fait. Regarde voir 1067. Putain, what the fuck? Putain, 2653 heures. Oh là là, une semaine de taf. Oh. Bon, par contre, c'est des chouettes Pokémon que t'as eu, hein. Enfin, c'est des chouettes à avoir en shiny, quoi. En shiny. Shiny. Le coffre là-bas, on l'a eu.
Bah, gros GG à toi. Arthur, je sais pas s'il a des shiny. Je sais plus du tout. Mega Rayquaza tout shiny. Wow. Rayquaza, trop bien. Oh, il y a une échelle. Ah, on pouvait venir ici directement. Ah, mais il y a R en fait. En fait, il y a rien. Décevant. C'est le mot du jour. Et regarde, il me regarde les enfants en dessous. Je crois. Ouais, il me regardait passer. Ah, trop stylé. Trop stylé. Bon, repartons. Repartons. Et Kaiser. Ah, Kaiser, il est cool aussi. Bébé Kai, ouais, c'est cool. Est-ce que je peux passer par là? C'est bien, tu choisis... Oh, on peut passer! Tu fais des bons choix hein, pour tes shiny, c'est bien. Je vais remettre un peu mes lunettes. Quelle chance, Batacha trouve une graine de magicalité. Il faudrait que je lise un peu les descriptions. Monorpal, je ne sais pas c'est qui. Monorpal. Ah oui, c'est Pokémon épée du coup. Oh, il est stylé, il est sympa. Non, je connaissais pas. Exagide, best shiny, Exagide. Oh, c'est non, c'est incroyable à quel point je suis devenu nul. Pokémon, je crois que c'est trop tard pour moi. Hein. Ah, c'est son évolution, Exagide. Ok, d'accord. Enfin, il y a plusieurs versions, on dirait. Je sais pas très bien. Pokémon, je crois vraiment que je dois laisser tomber, moi. Épée, je l'ai pas terminé parce que... Je sais pas. Parce que je ne sais pas, justement. C'est dommage. Peut-être que c'est plus pour moi. Hein. Ah, je suis déçu. C'est tout bonnement divin. Oh, oh, oh. Je suis content que je n'arrive pas à arrêter de rire. Ma femme est la meilleure cuisinière au monde. Oh, oh, j'ai tellement de chance. Bon, eh ben écoutez, on va essayer d'avancer. En fait, je suis une nouvelle épée, là. J'avais hésité à continuer, là, mais en fait... En fait, je kiffe. Allons voir si on peut rentrer dans le fameux château, voir le roi. Je pense qu'on pourra pas tout de suite, hein. Enfin, ce phénix, ce griffon à deux têtes, plutôt. La statue, par exemple, elle est moins bien faite que... Avec les personnages. Regardez ses vêtements, quoi. Ses petites chaussures, mais qu'est-ce que... Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que tu racontes? Waouh, regarde, je me demande combien ça vaut. Si je la vendais, je n'aurais sûrement plus jamais besoin de travailler. Ça, c'est sûr. Comment ça, c'est Elector? Ah oui. Elector a deux têtes, frère. C'est marrant qu'il a un chapeau bizarre, là. Bon, voyons voir. Je crois qu'on pourra pas rentrer. Je crois que les gardes vont m'emmerder. On va voir ça tout de suite. J'ai mal au cul. Halt! Not so fast. Not so fast. Ils ont vraiment les accents anglais, hein. J'adore l'accent anglais. Je trouve ça juste trop beau. Enfin, trop stylé plutôt. State your business. Là, on lui explique parce qu'on parle pas vraiment. Parce qu'on est comme Link en fait, hein, dans Zelda. Here, shake my hand, mate. That's the funniest one I've heard all week. Vous entendez l'accent de ouf? J'adore. Check me, mate. Québécois, j'entends pas souvent l'accent québécois, en vrai. Je regarde le streamer, youtubeur Madiba, je sais pas si tu connais. Je le trouve très cool, mais lui, il a un accent spécial, parce que c'est un Algérien et Québécois, donc c'est cool. Du coup, ils veulent pas me laisser entrer, ils se foutent de ma gueule, quoi. Clear off, will ya? We haven't got time for this kind of nonsense. Bah, ils sont... Franchement, j'ai juste demandé à voir le roi, hein. Enfin, je veux dire, je suis censé être un citoyen, je suis là, est-ce que je peux avoir une audience? Il m'a juste dit de dégager. Allô? J'ai un colis magique. Ah, what's that? You wanna show that pendant to the king, you say? Oui. C'est le colis que je suis censé montrer au roi. Parce que je suis quelqu'un de spécial. Les chevaliers royaux ont l'accent Québec, je crois. Quoi? Québec? What the fuck? Ben non. Ah, les deux chevaliers de l'histoire? En anglais, du coup, non, mais...
putain, si en français... Mais je suis choqué, normalement, il n'y a pas de version française, Guerrio. Il n'y a pas de version française, moi je comprends pas que tu aies eu le jeu en français, quoi. Et chaque fois, tu dis « je crois », en fait, en plus, donc ça me perturbe encore plus. Ah, ils vont quand même voir... Ah, donc ils me laissent quand même passer, alors. Ever so sorry for that little misunderstanding. Please, go right on through. His Majesty's waiting for you. Sa Majesté attend ta visite. C'est marrant, j'ai quand même l'impression que je devais rencontrer un personnage avant. Ça me perturbe à fond. Vers le même de trash, Primo Groudon, Primo Kyogre. Le même de trash? Château d'Héliodore, on est à l'intérieur. Quoi? Mais c'est quoi, c'est une vidéo? C'est quoi, en fait? C'est la musique. Je sais pas très bien où je dois regarder, ou... Je sais pas très bien ce que tu veux que je regarde, en fait. Là, je vois plein d'images avec Primo Groudon, machin, mais je sais pas très bien ce que tu veux que je regarde. Ah, la vidéo! Ah ouais, j'irai... Ok. Ça, j'irai voir après, alors. Je vais pas aller voir en plein stream. Ça roule. Ça roule, Dédro. Oh, je vais t'appeler Dédro, mais non. Attention, t'as un 0, Dédra 0. Ok! Ok! Eh ben, écoutez, je pensais pas que je serais directement dans le château. Je suis très surpris, en fait. Très surpris. Mais regardez, moi-même, mon personnage, il regarde partout en mode waouh. C'est grand, hein, c'est très grand. Il me semble qu'on peut voler de l'argent dans ce château. Il y a des coffres. Aujourd'hui encore, ça m'attriste. Le monde peut être un endroit bien cruel. Qui aurait imaginé qu'un magnifique royaume puisse être anéanti comme ça? Maudit monstre. Encore une fois, elle parle de quand les monstres ont attaqué le château quand j'étais bébé. Hein. Au moins, nous avons Sir Hendrick. Avec le héros d'Héliodore, nous sommes sûrs de ne pas connaître le même sort que Fordrassil. Un pack pour le français? Ça me perturbe à fond, hein. Ça me perturbe à fond qu'il y ait genre un pack pour un jeu pareil, quoi. Parce que là, je suis sur console et je me rappelle à la sortie qu'enfin, il n'y avait pas, quoi. Sa Majesté t'attend pour te rendre dans la salle du trône, monte ses marches et continue tout droit. Ouais, on va explorer, hein. Bon, sauf que je peux pas aller partout. Je ne peux pas te laisser aller plus loin, je regrette. Je sais pas pourquoi je fais des voix comme ça. Hein. On va y aller, hein. Je vais d'abord voir s'il n'y a pas des objets. Là, il y a un coffre, mais je crois que je peux pas le voler. Parce qu'il y a lui à côté, il me semble. Hein. Je suis prodigieusement riche et j'ai apporté de merveilleux présents pour le roi. Mais on m'a dit qu'il avait accordé une audience à un blanc-bec que je devais patienter. Ouf. C'est moi le blanc-bec. Eh ben, les pattes, calopin. Ok. Donc, je peux pas toucher ce coffre. Mais il faut pas que j'oublie qu'il y a un coffre ici, parce que peut-être qu'on viendra l'ouvrir un jour où il sera pas là. Oui, et oui, oui. On est comme ça, nous. On est comme ça. Des draps qui stream de temps en temps. Du Pokémon. Bah attends, on est là pour ça, non? C'est consternant, incroyable. Regarde ces gens aussi. Nous sommes des nobles au sang le plus beau qui soit. Et on nous dit pourtant que nous devons attendre pour nous entretenir avec le roi. Nous avons voyagé pendant des... Non. Nous avons voyagé pendant des jours. Je sais pas pourquoi je lui fais cette voix-là. Pourquoi je fais ça? Nous avons voyagé pendant des jours pour obtenir une audience avec le roi d'Héliodore. On nous dit maintenant qu'il reçoit un... Attends, il répète la même chose? Ah oui. Qui cela peut... Qui cela peut bien être? Cela certainement être un autre roi. Qui d'autre serait plus important que moi, sinon?
Eh ben, figure-toi que c'est moi, hein, le roi, c'est moi qui l'attends. On va aller de l'autre côté, il y a deux pièces encore. Voilà, le loot, hein. Je naquis mes... Quoi? Je naquis mes pastas de sauce blanche. Tu naquis... Tu naquis tes pastas de sauce blanche. Hein? Quoi? Au secours? Mais regardez-le, lui, mais qu'est-ce que... Oh! Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est beau ce jeu, regardez. Faites pas attention à lui, hein. Il est un peu bizarre, il a du mal à dormir, je crois. Bah voilà, je suis le héros, donc à moi tous les objets, exactement, guerrio. Ah, une armoire, vite, vite, prenons les slips des personnages. Merde, Naki, ça veut dire naître. Oui, tu nais dans tes pattes. Tu accouches de tes pattes sauce blanche. J'ai bien compris, du coup. Par contre, ouais. Je voulais dire que je recouvre de sauce blanche. Ah, ok. Désolé, moi j'ai des images en tête de ouf là. On parle de sauce blanche, de. Hein. Il est bizarre le mec avec les yeux ouverts. Hein. Attends, on va lui parler en fait. L'entraînement avec Sir Hendrick est épuisant. Je fais juste une petite pause. D'accord. Bon, ça je peux pas fouiller dedans, hein, mais d'accord, non. Il nous reste là-bas. T'inquiétais, pourquoi? Depuis que tu es arrivé au château, il règne une atmosphère assez pesante. Je n'arrive pas à exactement définir ce qui se passe. Moi, je sais. Alors, les gars, vous allez voir ce qui va se passer. C'est incroyable. Je crois que... Est-ce qu'on arrêtera le stream là-dessus? Ah ah! Ah ah! Peut-être. Dis donc! Non, mais oh! Dis donc! Non, pas maintenant. D'accord. Pas maintenant. Ah, une armoire, voilà. Il y en a une de l'autre côté? Non. En vrai, ça aurait été bien que je coupe le stream ici, mais j'ai juste envie de voir la suite, quoi. Mais ça aurait été bien que je coupe pour le début du prochain stream. Mais c'est trop bête, vu qu'on y est. Après, il y a encore l'exploration de château, peut-être. Ah ouais, j'ai oublié tous ces soldats. Tant que Sir Jasper et Sir Hendrick sont de notre côté, nous autres citoyens d'Héliodore n'avons rien à craindre. Ah, je peux pas aller derrière toi? C'est la chambre de la défunte princesse. Ah ouais. C'est la chambre du roi. D'accord. Bon, le roi, il est là-bas. Ah ouais, regardez-le. Attends. Ah, ils sont moins bien faits, hein. Regardez, les contours argentés, les contours de la croix en or sont pas foufou, quoi. Non, en vrai, ça va, hein. Ça va, hein. Franchement, ils ont de la gueule, hein. Ah non, ils sont quand même grave stylés. Explorons encore le château avant d'aller voir le roi. Dis donc! Mais oui, mais je suis là, Dédra. Profite! Profitons! Profitons! Je continue. Ouais, il est sur Switch aussi, hein, le jeu. Tu casses la nuque aux gardes et tu rentres dans ce château, dans la chambre de la princesse. Le kappa veut dire beaucoup de choses. Hein. Ah, mon petit Dédra. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, là, c'est vraiment de la balade, hein. Simulateur de château. Remède puissant. Ah oui, regardez là. Il y a encore cette saloperie. Attends, mais c'est si grand que ça? Au secours, en fait. Attends, on va explorer les portes là, mais au secours, en fait. C'est plus grand que dans mes souvenirs. Je rappelle que j'ai déjà fait le début du jeu, mais que le début. C'est quoi, c'est? Jour. Sa Majesté souhaite que tu t'entretiennes avec lui immédiatement. Rends-toi dans la salle du trône. Non! Juste non, en fait. Link Simulator. Ah. Attends, et de l'autre côté, il y avait quoi? Il y avait juste une grande fenêtre. Oh. Mais what the fuck? C'est grand et il y a du garde, hein.
Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Quelque chose qui brille dans ce chandelier, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Oh, il y a un objet! Ah, mais merde, comment je chope l'objet? Attends, il y a un objet là, mais... Ça semble impossible. Tiens donc, tu dois être l'éclairé dont j'entends tellement parler. J'imagine que tu cherches la salle du trône. Oui, non, c'est bon. Comment avoir cet objet là? On n'est pas dans Zelda, hein. Je peux pas escalader les murs. Sortir sur le balcon. Oui! Je me rappelle du balcon. On aura une belle vue sur toute la ville. Je t'avoue que là, Guerrio, dans l'immédiat, je n'ai aucune idée. Hein. Je vois pas trop, en fait. Ah. Je l'avais pas vu dans la première fois que je suis venu dans le château. Je l'avais jamais vu, cet objet. Ah, ici, il se casse comme ça, d'accord. Mini-médaille. Faut que je réfléchisse, mais je vois pas. Ça se trouve, j'ai pas encore de quoi l'atteindre, l'objet. Tu prends le casque du garde et tu le jettes sur le chandelier. C'est seulement que je pouvais faire ça. Après, il y a peut-être des objets qui seront utiles, mais en vrai, je vois pas. Je peux pas lancer d'objets. Les gars, j'ai baillé de ouf, hein. Je crois que le prochain stream, on commencera... Je crois pas que je vais aller voir le roi, mais non. D'accord, les gars? On va discuter encore, de toute façon. Je vais continuer d'explorer le château. Mais je crois que le roi... Attends, parce que en plus, Guerrio, il a dit oui. Ça se trouve, c'est vrai, en plus. Demande au garde sa lance. Ce serait bien. Je pense que... commencer le stream la fois prochaine sur ce jeu, en allant parler au roi, avec les cinématiques et tout, ce sera plus intéressant. Mais je coupe pas maintenant. Mais je crois qu'on va faire ça. Regardez-moi cette ville. Et lui, c'est qui, là? Oh, il est trop mignon. Mais change de vêtements, quand même. Hein. Cette étoile rouge s'appelle l'astre d'Erduin, tu sais. Les érudits se sont longuement interrogés sur l'origine de son nom. Mais cela reste un mystère, j'en ai peur. Il regarde l'étoile. Elle est où, l'étoile? Ah, elle est là-bas. Ça, il paraîtrait, du coup, que c'est l'ancien éclairé qui s'est réincarné en étoile rouge. Et moi, je suis le nouveau éclairé, quoi. La réincarnation. Cette tête. Est-ce que tu parles de ma tête ou de la tête du bolos derrière? Oh, je suis méchant. Attends, il n'y a rien à faire sur ce balcon? Dire que non. Faut vraiment que j'arrête de mettre ces lunettes-là parce que... Je suis vraiment horrible avec ces... C'est vraiment horrible, en fait. Juste, faut vraiment que j'arrête de faire ça. C'est juste pas beau. C'est pas beau, en fait. Regarde sur Discord. Oh, non. Quoi, t'as fait un screen? Ah, c'est... Ça... Eh, je fais peur sur la photo, hein. En plus, tu vois pas mes yeux et tout. Ça fait flipper, hein. Je vais mettre un emoji qui pleure parce que ça me rend triste. Bon. Bon, il reste encore quelques salles à explorer, je pense. Hein. Ah oui, l'objet! L'objet! Mais l'objet, je peux pas l'atteindre. Comment atteindre l'objet au-dessus, là? Ça semble compliqué. Ça semble vraiment impossible. Parce que j'ai rien pour... j'ai rien, en fait. Je peux pas tirer de flèche. Je peux faire R, quoi. Prends des pots. Ça, c'est pour là. C'est pour là. C'est pour là, je peux pas... Même les pots, c'est pas comme dans Zelda, les pots ici, quand tu les ramasses, ils les jettent instant. Réfléchis, Bat. Mais en même temps, je vois pas comment... Ah, je savais même pas que je pouvais pivoter la caméra comme ça. Quand je le faisais manuellement. Mm-hmm. Comment atteindre cet objet? Je sais plus comment j'ai fait pour l'avoir. Mm. Merde, en fait, lui, je dois pas leur parler. Toi, tu me donnes pas d'indice? Non. C'est chaud parce que dans ce jeu, il n'y a aucune verticalité, tu vois. Il n'y a aucun moyen de grimper, il y a... Je vois pas, hein. J'ai pas d'objets spéciaux. Fiole unique, ça sert à quoi? Rend 10 PM, ok. Super. Oh, le talisman de Gemma!
utiliser. Non, non, je l'utilise pas, je le garde. S'équiper avec ? Il s'équipe du talisman. Ah d'accord, je me suis équipé. Équipement. Ah ouais, je m'en étais pas équipé, tiens. Et ça fait quoi ? Il dit rien, mais juste j'en suis équipé. D'accord. J'ai vibré, vous avez entendu ? Un lance-pierre ? Est-ce qu'il y a des lance-pierres ? Est-ce qu'il y a des lance-pierres ? Dans ce jeu ? Je sais pas. J'en ai pas en tout cas. Moi je crois clairement que là je peux rien faire. Hein. Je crois vraiment qu'il n'y a aucun moyen en ma possession actuellement ici pour le faire. Je crois que j'ai continué d'explorer. Héros lance une Pokéball. Attends, c'est quoi par là là ? Oui, c'est par là que je suis venu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Billy, Billy. Est-ce que je me perds ? Oui. Oui, 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 on peut le dire, je me perds un peu. Nice. Bon, tu vas me dire que j'ai tout exploré ? Attends, je vais aller par là quand même, dans le doute. Normalement, tout est relié. Hein. Moi, je dois avoir des yeux explosés à force de bailler comme un clochard. Peut-être que j'ai été trop loin dans l'histoire pour voir l'objet. Que t'as été plus loin que moi, tu veux dire ouais. Parce que là, mon avis est assez chaud quand même. Et du coup, oh, est-ce que ça relie vraiment ou est-ce que c'est une autre aile carrément? Est-ce que ça relie? On est au même endroit. Mais oui, oh là là, mais Bat, regarde la carte, on est exactement au même endroit. Faut que je regarde la carte, moi, hein. Faut que j'arrête, moi. Faut que j'arrête, moi, hein. Attends, en fait, non, pas du tout. Si, 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 en fait, si. En fait, si, totalement. Bon, eh ben, je pense que pour Dragon Quest, on va stopper ici. Comme un clochard. Cette violence. Ah non, attends, je vais pas aller là. Je ne vais pas aller là, on va s'arrêter là. On va sauvegarder ici. Ah non, je dois aller sauvegarder. Oh, vous savez quoi, on va retourner en ville, faire une petite sauvegarde à l'église. YouTube, ça fait combien de temps qu'on est en VOD, là? Pourquoi je stream, moi? Dire que dans ma tête, je suis là, je trouve peut-être bien du Animal Crossing, là. Mais grosse flemme, hein, quand même. Ah, YouTube, je t'avais dit. Je t'avais prévenu une demi-heure. Hein. Je vais regarder pour toi l'objet. Après, attention, Guerillo, à ce que tu me dis. Tu peux me dire si... Enfin, comment expliquer? Si je suis censé le comprendre un peu plus tard ou quoi, me le dis pas, tu vois. Si c'est impossible de savoir... En jouant simplement comme je le fais. À ce moment-là, tu peux me le dire. C'est compliqué, hein, mais je te fais confiance. Bon, j'aimerais un cheval pour aller plus vite quand même dans la ville. Hein. On va à l'église sauvegarder. YouTube, je te laisse dans l'épisode. Hein. Il y a des pigeons! Est-ce qu'ils sont bien faits ou pas? Attendez, j'ose pas m'en approcher trop. Ouais, c'est des pigeons, quoi. C'est des pigeons, en fait, quoi. Ça roule, Guerrio. C'est Pochigeon! Comme ça, il y en a un qui s'appelle comme ça? Non, hein. Il y en a un, c'est... C'est un truc dans ce genre-là. Pochigeon. Ah voilà, un pochiche. Je suis même pas sûr. Pochigeon, c'est un nom horrible. L'église est là, allons sauvegarder. Pochigeon... Enfin, j'ai un Pokémon pigeon en tête, mais je sais plus s'il s'appelle comme ça, vraiment. De quoi, Sissi? Sissi, oui, il s'appelle comme ça? Pochigeon, c'est magnifique. Mais sérieux, on dirait qu'on est dans Dragon Ball et qu'il va nous lâcher un Kamehameha dans la gueule. Mais c'est trop bien fait, quoi. Attends, je me suis tourné pour voir ta face et tu t'es remis de côté dans l'autre sens. Te fous pas de ma gueule, retourne-toi. Moi, oh, c'est trop bien. Je trouve, moi, ça m'impressionne, en fait. Il y a pas beaucoup de jeux avec des graphismes pareils, hein. C'est unique, quoi, tu vois. Je sais pas. Salut. Je voudrais sauvegarder. Fifi, la famille. Let's go, sauvegardons là.
Ouais les gars, je crois que je vais pas jouer Animal Crossing aujourd'hui là, il est tard. Je pourrais hein. Je pourrais mais je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée. YouTube, du coup, va mettre fin à cette VOD, hein, YouTube. Ça devient noir. Merci, au revoir. Prochaine fois, ce sera une nouvelle session. Et ça va commencer sévère niveau histoire, donc YouTube, soit au rendez-vous. Hein. Si t'as pas vu l'épisode d'après, va le voir. Hein. Tout de suite, hein. Au revoir YouTube.